Normalement, en fait, ton problème, le problème de ton tel, c'est quand on appuie fort sur les côtés ou ici, il bug. C'est ça le problème, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pour ça quand Billy il me le prend violemment, bah, il bug. Voilà. On m'a envoyé un message, attends. Hop, C'est normalement. qui? Yo, Marie Drow. Pourquoi tu rigoles? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que moi je peux. Tu Commencer parles à qui? le live. Hop, c'est bon, c'est envoyé. Voilà. Hop. Donc, il y a un commentaire là. Bon, bah, je pense pas que les autres, du coup, ils vont revenir, mais c'est pas grave, hein. Si je fais comme ça, ouais, on voit beaucoup. Est-ce que là ça va ou pas? Tiens, je vais partir ici, voilà. On va voir si ça marche du coup. Ça commence dans 3, 2, 1. Bah, ça a pas commencé là? Normalement, ça a dû commencer là. Go. Ah, tu veux que je commence à dessiner? Ah, bah, attends 2 secondes. Je cherche dans même pas 1 minute, je vais commencer à repasser. Voilà, hop. Je vais voir si ça marche. Je vais baisser le son un peu. Ok, ça marche. Salut Nono. Ah, re du coup. Alors, attends, je vais juste zoomer. Voilà. Tu peux fermer la porte, s'il te plaît. Donc c'est bon, c'est bah bon, bah c'est parti. Durant le live déjà là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste en fait repasser. Je vais pas colorier. Mais je vais pas que repasser le Goku Ultra Instinct. Je vais repasser aussi les formes de sel là que j'ai faites. Donc juste à l'heure, j'ai fait ce sel là. J'ai fait sa forme concon aussi. J'ai fait sa première forme et j'avais fait le sel parfait du coup. Donc, si je repasse pas déjà, si je colorie pas, c'est parce que en fait j'ai pas toutes les couleurs, donc j'attends de les acheter et je le ferai sûrement en live. On verra si j'aurai un nouveau tel ou pas du coup. Trop fort, tu dessines trop bien, merci poto. Putain, c'est quoi le tel? Ça bug plus. C'est un S5, c'est normal, hein, ça bug plus, là, du coup, tu vois. Donc là, je sais pas si on voit bien à cause de la lumière. Alors, comment je peux faire ça? Décaler ça. Voilà, là, c'est bien. Ah ouais. Tiens, tu peux décaler parce que ça bouge D'accord. la table, en fait, quand je dessine. Surtout là, j'ai pas envie de. Du coup, là. Oh, c'est trop compliqué, là, le jeu de lumière. T'en as vu où je pourrais mettre la lumière pour qu'on voit pas trop l'ombre? Ah, je sais. J'ai une idée, je crois. Je vais faire le tour. Oh, tu peux. Enlève. Prends la boîte. Oh non, il a bugué, genre. Mais non, purée, genre il a bugué. Mais c'est mort, de toute façon ça a bugué.
Ah, oh, c'est trop chiant là par contre. Attends 2 secondes. Je vais voir. Putain, c'est ça le problème de ton tel. Lui, il est nul. Attends. Non, ça bug. Ça encore. C'est vraiment chiant tout ça. Ah, attends, attends, attends. Tiens, ça a recommencé, enfin. Ouf. Vous avez vu, ça a bugué en fait. Ça avait bugué. Ça avait bugué. Je vous demande désolé, son téléphone bug aussi du coup. Là là, oh là là, comment il bug. Oh, comment, attends. Et en fait, à chaque fois que je le touche, il bug. Ok, non, c'est bon. Rio, ok, c'est bon du coup. Bah, je vais pas le toucher, je vais. C'est pour ça, attends, ça, du coup, ça bouge. Okay, je me dégage. Ouais, dégage. Donc voilà, bon, bah, c'est parti, hein. Moi, déjà, j'ai trouvé comment enlever ça. Hop, c'est bon. Voilà. Donc. Ah ouais, attends, parce que. Voilà. Non mais bien, attends, viens pas, je dessine surtout que là, j'ai pas envie de le rater. T'as un trépied pour tel? Ouais, j'ai un petit trépied, mais si tu voyais là comment j'ai emboîté le trépied là, comment je filme, tu vas rigoler. C'est quoi qui... Il y a un truc en dessous là. Non mais restez pas là, mais non mais reste pas là toi aussi. Voilà, allez là-bas. Parce que là ça bouge trop là et du coup j'ai pas envie que ça rebug encore. Mais va là-bas. Mais je regarde quand j'ai un message, je vois. Là je viens d'avoir un message. Tu vois? Tiens, baisse le son. C'est trop chiant là. Je peux pas dessiner tranquille. Non, mais t'as pas compris, je crois en fait. Non, va là-bas. Oh là, va là-bas. Je rigole pas. C'est vraiment chiant. Ah, j'ai une idée.
Pour mettre la chanson, vu que je filme pas avec mon vrai tel, je vais aller sur YouTube. Et je vais mettre. Rester. Je sais pas moi. J'avais dit quoi tout à l'heure? Tu te rappelles? Eh ben oui, maintenant. Tiens, tu vois. MDR, t'as trop de cheveux, ça prend la moitié du direct. Mais pas grave. Ouais, je sais, je les ai pas attachés. En fait, je pensais pas au début faire un live. Parce qu'en fait, si là je me rapproche, c'est pour être plus précis, tu vois. Surtout pour les yeux. Après, si vous voulez, quand je serai là et tout, je vais pas mettre ma tête, tu vois. Grave. Alors, je vais mettre quel OST? Vous voulez que je mette des OST de quoi? De quel manga? Dites-moi comme ça, j'en mets vite fait. Oula, je rigole pas. Je rigole pas. Tu verras après, dès que j'ai fini le live. C'est quoi? On est chaud là. My Hero Academia, IQ. En fait, IQ, j'ai toujours pas regardé en fait. Moi là, j'écoute les OST Battle de Naruto Shippuden. Ah bah, je sais pas, j'ai jamais entendu moi les OST de Naruto Shippuden. Bah, de Battle. Ah, Battle, hein, je croyais que tu parlais d'un jeu. Non, en fait, non, je vois. Genre, où il y a du fight quoi. Bah, je vais mettre du coup My Hero Academia. Ouais, elle dure 1 heure. C'est pas grave. Dites-moi si vous entendez. Je sais même pas si on entend. Hop, vous entendez bien ou pas? DBZ ou DBS, le live bug. Ouais, c'est bon. DBS, ok, c'est bon, ok. DBZ ou DBS? Bah, DBZ, bien sûr. Même si DBS, en vrai, c'est pas mal, hein. Je dis pas que c'est nul, hein. Mais j'aime bien DBS. DBZ. Après ton live, je te dirai des propositions de dessins que tu pourrais faire sur YouTube, sur Facebook, si tu veux. Facebook, ah ouais, mais ça fait longtemps que je suis pas parti sur Facebook. Bah, si tu veux, hein. Y a pas de problème. Goku ou Gohan SSJ2? Gohan SSJ2, quand tu dis Gohan SSJ2, c'est quand il est petit, hein, c'est ça, contre Cell. Et ben là, franchement, je sais pas. Franchement, je te promets, je sais pas. Après, ça se dépend, c'est Goku quoi? Goku normal ou. Relink, oui, Goku normal. Bon, bah alors Goku et Gohan SSJ2 direct. Hein. Les gens. N'hésitez pas aussi à me rejoindre en fait sur mon Twitter. Je suis vraiment actif là-bas.
Vu que là je peux pas vraiment faire de live avec une bonne qualité et tout ça quoi. Je poste souvent mes nouveaux dessins et tout ça sur Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Ah mince. Voilà. Tu fais des lives quand la plupart du temps? Bah en fait là du coup vu que là déjà je filme avec avec le téléphone de mon cousin vu qu'il est là. Mon téléphone là, celui que j'ai en ce moment, il est vraiment nul. C'est un téléphone de rechange en attendant à nouveau. Et du coup ça va être compliqué de live parce que là il va bientôt partir et pour les prochaines fois ça va être vraiment compliqué de live. Je pourrais live que à partir d'un nouveau tel, c'est tout. Donc désolé. Mais j'en ai profité vu qu'il est là de vous faire un live vu que ça faisait longtemps. Je suis vraiment désolé hein. Voilà, c'est ça. Merci Link, merci beaucoup. C'est ça mon Twitter, j'ai oublié de vous écrire. C'est Archibi si vous voulez me rejoindre dessus. Les lives sont extraordinaires. Ah ouais, bah je pense pas, moi regarde, il y a du bruit derrière. La qualité, bah c'est pas trop ça quoi. Et ouais, c'est déjà bien, merci beaucoup. C'est gentil. Je rigole pas. Putain, c'est incroyable ça. Ça écoute même pas ce que je dis là et ça fait des bêtises derrière moi. Bon, j'essaye de faire de mon mieux quoi. Hein. T'as pas Insta? Non, j'ai pas Insta et tout le monde me dit ouais, fais-toi Insta vu que tu fais des dessins et tout, tu vas percer tout moi. Ah, mais j'ai trop la flemme de m'en faire en fait. Ok, si tu peux acheter une caméra, dommage, je peux pas te faire un don. Non, mais pas la peine de don, hein, t'inquiète pas. Hein. C'est super gentil déjà, vous êtes abonné, vous me suivez et tout. Franchement, c'est super sympa. Et t'inquiète pas, les dons, je n'ai pas besoin encore. Mais c'est super sympa, franchement. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont mis le pouce bleu sur le live. C'est génial. Gélé, tu dessines très bien. Merci poto, c'est gentil. En fait, je vous ai pas fait montrer. Je sais pas si vous avez vu, parce que juste à l'heure, j'ai fait le sel ici. J'ai fait toutes les formes de sel et je vous réserve quelque chose. Je pense que je vais le faire en vidéo et je vais faire montrer aussi un autre truc juste après. C'est ça. Mais ouais, voilà quoi. Donc j'ai fait ce sel là. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai fait celui-là aussi. On va essayer de les repasser juste après. J'ai fait quand il est dans son cocon quoi. Et voilà la deuxième forme. Voilà. Mais tes dessins sont super, alors je m'en fous de la qualité de caméra. Ah bah c'est gentil. Franchement c'est super sympa ce que tu dis. Tes cousins ils t'énervent. Mon cousin ouais et mes frères et mes soeurs là juste derrière. Mon frère et ma soeur. Ils cassent la tête. Depuis tout à l'heure, je leur dis d'arrêter et ils continuent. Tu verras, Inès. Je vais le tuer. Après, j'essaye de faire de mon mieux, tu vois. Vous donner un bon contenu, tu vois. Hop. Mais c'est super difficile. Sa première forme, elle est mieux. Elle a mieux. Ah, je vois. Ok, bon, bah merci. C'est gentil déjà. Je mentionne qui déjà, je fais le tweet. Ah, bah t'es pas obligé de mentionner. Hein. Juste, tu me mentionnes moi et c'est tout. Tu dis comme quoi je fais un live et tout. Et tu mets juste le lien si tu peux du live. Et puis voilà. Parce que déjà, j'ai vu... Sans me mentionner, je fais maintenant du 180 RT hein, quand même sur Twitter, sur mes dessins. Bah notamment c'est sur celui-là et les deux autres. J'ai fait du 180 RT quoi. Salut Skeldart, comment tu vas poto? C'est quoi la musique? Bah là, je sais pas. Parce qu'en fait, je suis parti directement sur YouTube, sur mon hôtel. Et
J'ai écrit OST My Hero Academia et j'ai pris la première vidéo qui m'est tombée. Elle fait 1h, 1h51 secondes. Donc, et c'est environ à la 6ème minute. Donc, tu tapes ça sur YouTube et tu vas trouver directement du coup. Tu peux pas faire un tuto sur Natsu en Dragon Force ou Goku Ultra Instinct STP? Bah, en fait, tout ce qui est niveau tuto et tout ça, déjà, ça va attendre parce que j'ai pas de téléphone, des choses comme ça. Et en vrai, moi, je vous dis, hein, j'ai appris tout seul à dessiner, genre sans tuto et tout. Genre, c'est au fil du temps. Après, ça fait longtemps que je dessine, hein, depuis que je suis petit. Mais pour vous faire un tuto, je sais pas comment. Attendez, là, je vais pas trop parler. Et je me suis arrêté, j'ai arrêté de parler parce qu'en fait j'étais en train de faire un truc délicat. Ouais, du coup, pour les tutos, je sais pas comment m'y prendre. Je sais pas si je dois faire des cases et tout ça, quoi. Dites-moi là en commentaire si je devrais faire des cases ou une autre idée. Voilà. Bon, c'est pas trop ça, ça tremble un peu là. Moi, je suis dessinateur pro et j'aime tes dessins. Ah bah c'est super gentil, poto. C'est super sympa. Très bien, ok, merci, j'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Casse. Casse, c'est chiant à faire. Case, hein, avec les cases. Bah je sais pas moi, tu vois, vu que j'ai jamais essayé, j'ai jamais fait en fait. Du coup, je sais même pas si c'est chiant. Après, je pense que c'est assez facile, hein, avec les cases, hein. Tu te repères avec la géométrie. Bah, normalement, t'as déjà dû faire de la géométrie à l'école, du coup, ça doit être un peu facile. C'est un peu des mathématiques, on va dire. Toi, c'est de la symétrie, quoi. Comment ça, des cases? En fait, je fais plein de cases sur la feuille. Ça dépend de la grosseur, quoi. Bref, après, je fais mon dessin. Et vous voyez, en fait, par exemple, là, attends, je vais faire un exemple ici. Là. Là, j'ai fait une case. Et on dit que c'est une case. Et là, il y en a d'autres, tu vois. Il y en a une ici, une là, une là, une là. Du coup, là, je fais mon dessin. Et du coup, on va dire, la mèche de cheveux, elle passe par ici. On dit, c'est une petite mèche. Du coup là tu vois que le premier trait il va de la pointe en bas à la pointe en haut, tu vois, en diagonale. Et que un peu courbé aussi, tu vois. Ça c'est facile de faire ça. Et ensuite ici là, tu fais la même chose mais un peu décalé, tu vois. C'est assez facile en fait avec les cases. Hein. Juste il faut prendre son temps en fait. Voilà, c'est tout. La musique là bah en fait c'est toujours pareil. Toi, c'est toujours pareil pour la musique. Après, toujours la même vidéo. Après, je sais pas c'est quoi le thème et tout. C'est bon, c'est tout. Merci, j'ai vu ça. Merci, poto. Tu gères. Ouais, mais les cases sont trop longues à faire. C'est trop long à faire. Ah, mais oui, c'est vrai. Du coup, vous aussi, vous devez faire les cases. Bah, il faut prendre son temps. Hein. Si tu veux faire un bon dessin, il faut prendre son temps, du coup. Ah oui, ok, je vois. Tu utilises quoi comme feuille? Ah, c'est des feuilles simples, hein. C'est des feuilles d'imprimante. Il faudrait que je change aussi du coup. C'est pour les proportions. Les proportions, je vous les donnerai. Niveau pour les cases. Combien sur combien, si je fais un tuto, je vous les donnerai. Ouais, je vois, merci. OST My Hero Academia, la première. En fait, c'est que des OST de My Hero Academia, là, ce que tu entends depuis le début. Donc, tu mets OST My Hero Academia. Et normalement, la première vidéo, tu appuies dessus et tu les as tous.
Hop, grosso modo, ou grosso modo avec les cases, ouais, tu te repères par rapport aux lignes perpendiculaires et parallèles, c'est plus sur même, c'est plus long. Ouais, en fait, c'est ça, c'est exactement ça en fait. C'est, il vous a bien résumé les dessins en cases en fait. Tu colories tes dessins, ouais, je les colorie, mais là, du coup, j'ai pas la couleur pour ce dessin-là et les autres, donc je les colorierai hors live et hors vidéo du coup. Mais je montre à chaque fois la fin mes dessins finaux sur mon Twitter. Donc n'hésitez pas à le rejoindre du coup. Oui, vu que c'est des feuilles d'imprimante, ça aspire l'encre et ça use les marqueurs beaucoup plus rapidement. Ouais, c'est ça, c'est exact. Donc c'est pour ça, là j'ai pas encore de marqueur. C'est pour ça j'ai pas de marqueur. Donc je fais avec des feutres basiques, tu vois, que vous pouvez trouver n'importe où. Oui, soit en noir et blanc, soit en couleur. N'hésitez pas à checker. Les anciennes rediffusions. Ouais, c'est ça. N'hésitez pas à regarder mes autres lives, les gens. J'ai fait de la pub pour ta chaîne sur Twitter. J'espère que ta communauté grandira. Merci, Boto. C'est super sympa, les gens, ce que vous faites. Feutre. Ok, merci. Ouais. Donc, moi, je vais continuer là. Voilà. C'est le Kamiya Slide contre Kefla, ouais, c'est ça. J'ai bien aimé moi ce moment-là. Franchement, avec Kefla là qui est étonné. J'ai bien aimé. C'était super bien dessiné en plus. Depuis que je t'ai connu, t'as doublé d'abonnés, c'est nice. Ah ouais, bah, tu vois, après en plus, je suis pas trop actif sur YouTube, donc ah, c'est bien, tu vois. Tes feutres, c'est déjà, c'est des combien de millimètres? Car moi, je recherche des 0,5 ou 0,6. Mes feutres, ou genre cela, parce que ça doit être genre du 0,5. Mais en feutre, je prends des basiques, hein, tu vois, c'est des choses, tu vois, d'école, hein. Il faudrait que je change, hein, d'ailleurs. Mais ça coûte cher, les feutres pro et tout. C'est genre, tu vois, tu peux prendre des Mappel ou je crois que c'est ça la marque. Mappel ou. Ouais, franchement, je me rappelle plus. Des Bic, tu vois, les feutres Bic. Des choses comme ça, quoi, c'est facile. Après, il faut bien gérer, tu vois, moi je mélange du coup feutre et crayon de couleur. Alors, pareil, l'univers 11 va morfler de ouf, de ouf. La marque Micron, il y a des 0,5, après 0,6, je sais pas. Micron, en fait, je voulais en acheter. Ça, mon pote, j'ai oublié de lui rendre. Des micros, il faudrait que j'en achète aussi. Même les feutres, ils sont un peu jaune marron. Les, tu vois, les stylos feutres, je veux dire. J'aime bien la marque Micron, moi. Donc, par contre, là, je peux rien te dire. Je peux pas te dire si les gammes de Micron. Franchement, je suis désolé. Je suis pas
N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, les gens. Pour le vrai, franchement, ça me ferait super, extrêmement plaisir. J'ai eu des premiers cœurs pour Noël. Du coup, j'ai pu colorier mes dessins. Ah, oh, nice, nice, poteau. Putain, moi aussi, j'en voudrais bien. Ils sont super, les premiers cœurs. Ouais, Copic, Promarker, Graphite. Franchement, c'est des belles gammes, tu vois. Quelle musique, My Hero Academia? Je sais pas, mais en tout cas, je vais le redire encore une fois. Du coup, tu mets juste sur YouTube OST My Hero Academia et tu prends la première vidéo et ils sont tous là, quoi, du coup. Relink, Promarker, Skeldart. Je fais au crayon de couleur, mais là, pour mes futurs dessins de Naruto, je vais faire en feutre. Ah bah, essaye. Micron, j'en ai... Ils sont bien. Ah ouais, bah il faudrait que j'en achète, moi, du coup. Tu te souviens de moi? Bien sûr que je me souviens de toi, Skyper. Tu perdais tout le temps au jeu avec les abonnés. T'as quel âge? J'ai 16 ans. Non, c'est pour te dire que je l'aime. Ah, d'accord, ok, je vois. Ok. Yo Toxic, comment tu vas poto? Ça va? Les graphites, c'est de la marque Promarker et c'est pas cher. Ah ouais? Ah bah je savais pas. Je savais même pas, je croyais que c'était une autre marque graphite du coup. Après le live, tu peux mettre en com toutes les musiques pour les gens si tu veux. Bah je mettrai carrément le lien de la vidéo et puis voilà, après ils verront eux-mêmes parce que moi je sais pas à quel moment, tu vois, ils aiment bien leur musique, tu vois, leur musique préférée et tout. Donc voilà. T'as quoi comme mine de crayon noir là que tu utilises? C'est un Faber-Castell, c'est un S. Il y a plus petit que ça, il y a XS aussi, mais mon pote il en avait plus du coup, voilà. Un noir S Faber-Castell. T'as regardé Tokyo Ghoul? Bien sûr que j'ai regardé Tokyo Ghoul. Je vais bien et toi? Ah, ça va super photo, ça va super, écoute. Hein. Là on fait un peu du repassage et tout. Je vais pas colorier aujourd'hui. Je vais juste repasser mes dessins et puis voilà, on parle un peu quoi. Elle est chelou la chanson. C'est pas trop mon style. Oula, il y a eu beaucoup de choses. Pouce bleu, tous partagez, surtout abonnez-vous. Ah, merci DBS, c'est super. C'est super. Ouais, pouce bleu les gens, n'hésitez pas à vous abonner et tout. Et à partager le live. Ce serait gentil. Attends. Ça, c'est une seule vidéo. Ouais, c'est qu'une seule vidéo depuis tout à l'heure. Elle fait une heure, quoi. T'habites dans quelle région? En Bourgogne. C'est un peu au nord. Nord-ouest.
Oui, mais du 0,5, du 0,1. Ça, non, ça doit être du 0,5. Link, oui, sublime le dessin, je mange et je re, photo. Ok, merci, photo. À tout à l'heure. Ah, bah, c'est pratique. Ouais, c'est pratique. Tokyo Ghoul, c'est trop méga cool. Ouais, c'est vrai. Grave, c'est super. T'as dessiné Tokyo Ghoul ou toujours. Toujours, va dessiner de Tokyo Ghoul. J'ai déjà dessiné j'ai fait deux dessins de Tokyo Ghoul. Si vous voulez, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos. Il faut un peu quand même descendre. Mais j'ai fait des présentations de mes dessins DBZ, Death Note, Tokyo Ghoul, des choses comme ça, quoi. One Piece, Naruto. Moi, Loren. Ah, c'est un peu plus en... Ouais, c'est un peu plus en haut que moi, quoi. En vidéo. Ouais, en vidéo, j'avais tout fait ça en vidéo. Ah, cool. J'adore designer, moi. Designer? Moi aussi. Ou dessiner. C'est designer ou dessiner que tu voulais écrire? Il faut pas que je repasse des choses ne pas repasser, quoi. Voilà. Comme ça, c'est bien. Ensuite, il y a ça aussi à faire. Ah, purée, je suis bête. Voilà. C'est même pas là. Wow, tout le monde est parti. Ah voilà, normalement ça recommence. Voilà. Oh, mais je sais pas. Même son tel il bug en fait, hein, du coup. Bon. Bon bah dites-le moi encore hein, quand si ça bug encore une fois du coup. Je suis vraiment désolé les gens. Vraiment. Ça doit pas être agréable de. Ouais du coup on a perdu des viewers mais c'est pas grave. Revenez, revenez. Du coup on va faire ça. On va remettre la chanson. Non même pas, on va pas remettre la chanson. Parce que je me rappelle plus de l'image. J'ai pas envie de faire d'erreur, donc ce que je vais faire là. Le caméra, il est là. Voilà, si vous voulez voir la différence. Remake, ouais. Re les gens, je suis désolé hein, pour le bug. Donc si vous voulez voir la diff. Voilà quoi. Donc, je vais voir ce qui va pas, ou ce qui va encore ou pas. Voilà, là c'est bon. Ah, on va repasser ça. Voilà. Voilà, alors. Un dessin, Hayato, le frère de Toka dans Tokyo Ghoul. Oh, je me rappelle plus. Je me rappelle plus des prénoms, du coup. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Tokyo Ghoul, du coup, je me rappelle même plus des prénoms. Il y a plus de musique. Ouais, c'est normal parce que je peux pas mettre la musique en même temps, mettre l'image, mais je la remettrai là dans même pas quelques minutes. Donc, je disais que j'adore dessiner mon rêve. Ouais, du coup, vu que ça buguait, moi aussi je parlais.
Je disais, t'inquiète pas, moi aussi je te soutiens. Moi aussi, avant, je voulais faire mangaka, mais du coup, j'ai voulu faire quelque chose d'autre maintenant. Et poto, tout le monde te soutient, on te soutient, frère. Tu peux continuer, vas-y. Tu peux réussir, bro. Non, il y a quoi qui te freine? Fais-le si tu en rêves, lance-toi. N'aie pas peur, ouais, n'aie pas peur. Écoute les autres. Tu peux réussir. Tu peux. Voilà, la musique elle va revenir, hein, ne vous inquiétez pas. Un bug ou un truc comme ça, ça va revenir. Est-ce que j'ai oublié des choses? Ouais, j'ai oublié ça. En fait, j'ai marqué aussi les ombres, du coup, j'ai pas envie de repasser les ombres. Je les ferai en feutre. Si je repasse, ça va être super dégueulasse. Donc, je laisse comme ça. Voilà, là je pense que c'est bon là. On a tout fait. Voilà, je pense qu'on va passer au sel. Mais juste avant, je vais vous faire montrer ce que j'ai mis sur Twitter. C'est bon, ouais, voilà. Je vais peut-être repasser ça vite fait. Parce que j'ai oublié déjà. On va passer ça vite fait. Hop. Voilà. Voilà. J'ai oublié un truc là. Ah, c'est bon. Donc, on remet la chanson. Voilà. C'est reparti. Je lis les commentaires. Il est stylé ton son cac. C'est son œil, je crois, c'est ça? En forme d'aile. C'est la meuf qui a. Ah ouais, je vois, c'est. Celle qui frappait le perso principal, la Kaneki, au début. Parce que, genre, il voulait pas manger. Truc. Du coup, ouais, je remets la musique. C'est quoi ton prochain dessin? Mon prochain dessin? Bah en fait là je suis sur quelque chose donc je peux pas vraiment te dire. Bah je pense que ce sera encore un Goku Ultra Instinct. Il y a moyen. Ou un Gata Isamasu. Merci de me soutenir, ça fait plaisir. Peux-tu me faire une dédicace? Continue, t'es super. Ouais bah vas-y, petite dédicace à Manga Corp. T'inquiète poto, tu vas réussir dans la vie. T'inquiète. Au sel. Comment ça au sel? Moi je suis en train de créer un manga et je suis à mes 13e, à ma 13e page. Ah ouais, carrément! Ah, tu m'enverras ça sur Twitter, poto, si t'as. Oh, GG, il s'appelle comment? Merci. Ouais, GG, hein. C'est pas encore son frère. Donc, là, on va zoomer. Voilà. Donc, normalement, vous avez vu le dessin dans son ensemble. Donc, voilà. Là, on va passer directement. Du coup, j'enlève le dessin. Et on va passer au sel. Bon, on va commencer par le plus nul, hein, le plus moche, le cocon. Mais juste avant ça, en fait, ouais, j'ai oublié de vous faire montrer. Les gens, j'ai mis ça sur Twitter. Si vous n'êtes pas au courant, allez-y. Du coup, j'en ai fait 42, mais l'histoire, tu vas colorier, du coup. Image d'excuse, ok. Ok. Alors, je vais baisser un peu le son quand même. Donc voilà, là c'est Goku qui fait le Kamehameha. Et comme vous voyez, il n'est pas colorié. Mais si je fais ça, vous voyez que voilà quoi. Il est colorié, donc dites-moi ce que vous en pensez. Quand en faire d'autres comme ça. Hein. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, les gens. Par contre, j'ai super galéré à le faire, quoi.
Laissez tomber. Donc, c'était dur, mais je le continue, je vais le finir. Ouais, finis le poteau. Ouais, j'ai fait le même plagiat, mais sans couleur magnifique. Tu gères, excuse. What? Comment t'as fait? T'inquiète, c'est la sorcellerie. Non, je rigole, c'est pas la sorcellerie, mais je lui montrerai, je ferai un tuto dans une vidéo. En vidéo, du coup, pas maintenant parce que là c'est super compliqué à expliquer, mais je ferai une vidéo spécialement pour ça, du coup. Comment t'as fait? Salut mec, salut HEW, comment tu vas? C'est de la magie, ouais, c'est de la magie. Ok, mais fais-le vite, ah, t'inquiète pas. Sois pas impatient comme ça. Ok, Kenny t'a aidé avec un rituel. Oh, vous faites délire. Tranquille, bah tant mieux, poto, tranquille alors, tant mieux. Donc là, ce qu'on va faire. Qu'on va faire le petit dégueulasse là, le concon. Hop. Mangaka, un Raditz Super Saiyan. Et toi? Moi ça va super, ça va super, écoute. Ça va bien. Là, ça va être super rapide. Je m'applique pas trop sur ça parce que c'est que des traits vite fait. Par contre, sur les autres, je vais m'appliquer. Je vais enlever la pub là parce que c'est un peu chiant. Donc les gens, je vous le dis, hein, il n'y aura pas de live avant un long moment. Parce que je le répète, hein, c'est pas, je filme pas avec mon vrai tel. Et du coup, c'est un peu compliqué. Le tel que j'ai là, c'est c'est un tel de rechange. Du coup, la qualité est super mauvaise. Donc, je suis vraiment désolé. Alors, ça fait combien de temps que tu dessines? Ah bah depuis que je suis petit, je dessine, dis-toi. J'ai commencé avec les petits Spider-Man, t'as vu? Les Pokémon et ensuite Dragon Ball Z. Et là, c'est parti en vrille. J'entends pas beaucoup la musique. Ouais, si tu veux, je peux l'augmenter. Attends, je vais augmenter le son parce que je l'avais baissé tout à l'heure. Voilà. Re-Skyper, tu décalques? Ah non, je décalque pas. C'est mon dessin, ça. Je repasse, c'est tout. Non, non, je décalque pas. Un mois? Comment ça? C'est qui m'avait déjà. Comment ça? Moi, j'ai pas compris. Ah ouf. Non, t'inquiète pas, je décalque pas. Non, j'ai. Quand j'étais petit, tellement j'aimais bien les dessins, je décalquais. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bon, il faudrait bien que. Faut bien que je fasse moi-même des dessins. Du coup, j'ai commencé à faire des dessins, tu vois, à main levée. Et petit à petit, tu vois, on s'améliore. Tu dessines quoi? Le cocon de Cell. Je pense pas que tu. Bah, c'est dans Dragon Ball Z, du coup. Non, par contre, baisse le son. Bah je vais augmenter, hein, du coup. Avant que tu reprennes les liens, celles en cocon, c'est ça, ouais, cocon, ouais. On s'améliore, mec, t'es pas à un bon exemple car t'es déjà pro. Ah ouais? Non, je suis pas pro. Je suis pas pro encore.
pas encore prouvé. J'ai jamais regardé des BZ. Ah ouais? Ah ouais, bah c'est... je suis choqué là, tu vois. Moi j'ai regardé depuis que je suis petit, tu vois. Du coup, ça m'étonne que tu connais... que t'aies jamais regardé Dragon Ball. Voilà. Salut, salut MN24, ça fait longtemps, comment tu vas, poto? Les lives. Moi non plus. Ah ouais, ah ouais, mais toi, Skyper, tu m'avais dit, c'est vrai. Tu me l'avais dit. Moi, je suis dessinateur pro, j'ai une entreprise que j'ai commencé de manga. Ah ouais, c'est vrai, poto? Ah bah c'est cool pour toi ça, c'est bien franchement, hein. J'aimerais bien être à ta place. Dragon Ball c'est la vie, il faut regarder, c'est obligé. Toi ça se voit, toi t'es à fond, hein. T'as déjà une image de Goku Ultra Instinct et tout, t'inquiète. Yoshibi, tu veux vivre dans quel univers de Dragon Ball? Univers? Bah bien sûr c'est l'univers 7, y a aucun doute là, y a Goku et tout ça, j'aimerais bien m'amuser avec eux, normal hein. Du maître game sérieux, ouais, c'est derrière, hein, qu'est-ce que tu veux? Moi, j'écoute pas ça, moi. J'écoute du hardcore. Du genre Damso et tout. Mais sur quel site, lol? Ah, sur quel site? Bah, tu peux regarder ça sur GumGum Streaming. G-U-M, G-U-M Streaming. Et tu vas trouver directement. Tu vas dans VF ou VSTFR. Quand t'appuies sur le site, et ben, t'as VF ou VSTFR. T'appuies dessus, l'un des deux. Et t'auras Dragon Ball Z dedans. Comment tu dessines comme ça? Comment tu vas Boober en fait? Univers de l'homme render. Ah non, dégueulasse. Dégueulasse. Bah je sais pas, toi bah je regarde l'image et je copie du coup, tu vois. Après je sais pas quoi dire de plus. Donc voilà, bah je recopie. Je fais petit à petit un trait par trait quoi. Voilà. Ça, je sais, merci. Sauf que ça parle en une autre langue et ça me met sous-titre en français. Ouais, du coup, ça parle en japonais. T'as la version française, VF. Si t'appuies dessus, normalement, tu l'as, Dragon Ball Z en français, du coup. J'encourage toutes les personnes qui aiment dessiner des BS ou des BZ Naruto, car j'ai commencé avec et je continue avec et je suis fier. Ouais, franchement, c'est super bien. Ça vous aide à mieux dessiner quoi en fait. C'est Chien DV se reprend le 7 janvier. Ah ouais, c'est vrai. Il n'y a pas eu d'épisode là dimanche. Moi aussi, je sais dessiner, mais moins bien que toi. T'aimes pas en VSTFR? Moi j'aime bien en VSTFR. Hein. Moi j'aime bien, hein. Je regarde que ça en VSTFR moi. Moi aussi, je dessine moins bien que toi. Ah mais t'inquiète, Boober, ça va. Tu vas réussir à bien dessiner au fil du temps. Coucou. Sagetan, comment tu vas? Dimanche, Vegeta vs Jiren, exactement. DBS égal. Bah. Ouais, Dragon Ball Super, ouais, c'est ça. Ouais. Tranquille. Ah, bah tant mieux alors. Du coup, là, pour ceux qui n'ont pas vu le live juste avant, bon. J'ai continué mon Goku Ultra Instinct, je l'ai repassé. J'ai fait montrer le petit truc que j'ai fait là. Je sais pas comment appeler ça. Genre c'est en fait c'est un peu même le processus, un peu le même processus que les tasses, vous voyez, où il y a par exemple Goku Kaioken, et dès que vous mettez quelque chose de chaud à l'intérieur, et ben vous voyez l'aura après qui apparaît petit à petit. Donc c'est ce que j'ai fait en dessin un peu, et franchement le rendu est pas mal.
Comment? Jamais. Si, mets tes bras. Je vais changer de musique parce que ça saoule un peu. Je vais mettre des OST de DBS vite fait. OST. DBS. Ok. Non, non, voilà. Il est ouf, lui. Ah ouais, non, par contre là c'est pas les vrais OST. Non mais en plus on pire avec ça, il est ouf lui. C'est même pas ça. Non mais je sais même pas pourquoi il vient vers moi. Moi aussi j'adore en VST faire, ouais, c'est mieux. Je trouve que c'est mieux que en VF. J'ai fait montrer. Montre ton coucou de l'instinct. Oui, je vais montrer. Alors, je vais le montrer, il est là. Il est là. Voilà. Avec la caméra. Dites-moi ce que vous en pensez, pour ceux qui n'étaient pas là juste à l'heure. Voilà. Hop, on va enlever ça. J'ai pas vu comment s'appelle ton entreprise. Moi aussi je dessine, mais moins bien que toi. Mais t'inquiète poto, ça va. Tu vas t'améliorer petit à petit. Je suis dessinateur pro et pourtant j'adore te regarder. C'est super sympa. Rabia, c'est quoi ton entreprise, hein? Après DBS, tu peux mettre un OP, un de Tokyo Ghoul. Bah tu sais quoi, je le mets maintenant. Tokyo Ghoul. Baisse le son, sérieux. Baisse le son là. Si, baisse le son. Oh, tu vas te calmer, Philippe. Tu crois que t'es chez toi en fait, Ulysse? Non, je rigole pas là. C'est bon là. Bon, j'arrive pas, je vais tirer ta mère. Oh. Purée, comment ils sont chiens. Recalki, comment tu vas? Ils sont dans ta chambre, tes frères? Ouais, de ouf, ils sont trop chiens. Là, tu vas me reconnaître. Ah, c'est toi, Calki. Ok, d'accord, ok, je vois. J'ai trop bien, merci. Il est bien fait ton Goku Ultra Instinct, mais repasser. Non, je repasse pas Laura. Laura, j'ai un truc spécial pour le faire, ne t'inquiète pas. Alors. Donc, je vais mettre Tokyo Ghoul, le Phoenix 1, voilà. Donc, dites-moi après ce que vous voulez que je mette. Dites-moi ce que je mets après en OST si vous voulez. Comment je mets moi-même. Là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas écouté. Hein. Alors, on va lire les commentaires. Ils ont pas une chambre. En fait, ils sont dans ma chambre. Mon frère, il est avec moi. Avec moi dans ma chambre. Ma soeur, elle a sa chambre, mais je sais pas pourquoi elle vient ici. En fait, j'ai une télé dans ma chambre, donc il regarde ici. Voilà. Tu ne colorerais pas tes dessins. Si, je vais les colorier, t'inquiète pas. C'est juste que là, à ce moment-là, j'ai pas les feutres, en fait. Mais t'inquiète pas, hein, d'habitude, je les colorie mes dessins.
Du coup, tu feras une facecam. Non, pas maintenant. En tout cas. DBS Opening 2. Ouais, si tu veux. Je vais mettre ça. DBS Opening 2. Voilà. Bon, on a dit DBS, voilà. Après, là, je sais même pas s'il y a les paroles. Ça te prend combien de temps en moyenne tes dessins? Bah, après, ceux-là, là, les petits carrés, là, ça m'a pris genre 20-25 minutes le petit carré, quoi. Mais en moyenne, un dessin, je vais faire une heure, non, ouais, même plus, 1h30, 2h. Après, ça dépend de la taille du dessin et le genre du dessin. C'était le générique de Tokyo Ghoul tout à l'heure. Après, tu gommes les traits de crayon au papier. Ah, ouais, je les gomme après. Comment tu dessines au crayon de papier, au crayon de couleur et feutre, comment tu sais quand prendre le feutre, etc. Bon, en fait, tout ce qui est clair, genre la peau et tout ça, je fais au crayon de couleur. Et ensuite, tout ce qui est sombre, déjà, je vais faire ça au feutre. Et des fois, je mélange le feutre et le crayon de couleur au même endroit. Du coup, ça donne un effet peut-être plus brillant des fois ou plus clair, ça dépend. Ou une autre couleur souvent. Donc c'est pour ça que je fais ça. Je pensais que ça allait être un live plutôt court. Mais en vrai, là, on est à 1 heure de live, même plus. Ok, voilà, je vais lire les messages. Alors, musique après DBS, ouais, opening 1 si tu veux. Alors, oh là là, je kiffe cette musique. Là, je mange, aïe aïe aïe. Bon, je dois y aller. Bye, bonne chance et continue. Et dans le prochain live, montre-nous tes dessins. Ouais, y a pas de problème, poto. J'ai mes dessins aussi, je les ai déjà montrés un peu avant en vidéo. Donc, si tu veux regarder, pas de problème. Lol, bye. Ciao, MN. À la prochaine. Jimmy, franchement, regarde IQ, c'est top. T'inquiète pas, je vais regarder. En ce moment, là, je suis un peu débordé avec plein de choses. Du coup, je suis un peu limite niveau, tu vois, temps. Mais t'inquiète pas, je regarderai. Chibiar, comment on devient modo? Ça fait longtemps que je te suis maintenant. Ouais, je sais. Mais si tu veux, encore dans 2-3 lives, si tu veux, tu seras modo, Koto. Il y a Skeldart aussi, tu vois, qui est longtemps aussi, qui est là. Ça fait longtemps qu'il est là. Je te conseille pour colorier tes dessins, les feutres touche ou les feutres de chez Action. Ce sont des feutres à colle. Tu veux dire. Ceux-là? Je les ai, hein. T'inquiète pas, je les ai. Mais après, il n'y a pas toutes les couleurs, donc tu vois. Pour ça, j'attends d'avoir toutes les couleurs pour colorier tout mon dessin, tu vois, en entier.
arrêtez. Ouais, tu peux nous mettre Modo, moi et Skyper. T'inquiète pas, je vous mettrai Modo, mais pas maintenant encore. Très bien, ramenez-moi du monde et là, vous serez Modo. Rabia, il coûte combien les feutres que tu parles? Oh, c'est pas cher, hein. 4 feutres pour 10 euros, contre 10 euros. Bah, moi, je les ai payés. Il y avait une boîte de 12 pour 4 euros. Hein. Franchement, c'était pas mal. Hein. Regardez, genre, le petit côté là, ici, là. Et le grand côté qui est là. Biseauté. Franchement, bien. Hop. Le penning 1, on m'a dit le penning 1. Opening 1. DBS. Hop, on va mettre. Voilà, ça fait longtemps. Rabia. Ah, ok, d'accord. Ça parle. C'est la base, les TV Marker. Ouais, t'inquiète, je les utilise un peu maintenant. Ok, ça marche, Chibi. Je t'en ramène pour la rentrée. Ça, c'est gentil, bah vas-y, hein. Tu les as payés combien, Chibi? Pareil, il y a une boîte de 12. Bah, il y en a plusieurs, hein. Il y en a 4 de boîte de 12. Et la boîte de 12, elle est à 4 euros, je crois. 4 euros ou 5 euros. Donc, franchement, ça passe pour des feutres à alcool. Hein. C'est pas mal. Alors, lance-toi, Skype. Lol, tu peux mettre Zico Bermuda juste après. Zico Bermuda, c'est quoi ça? Ah ouais, Chibi, tu les as achetés où? À Action, un magasin qui vend de tout et de n'importe quoi. Franchement, ils vendent de bons trucs des fois. Ah tiens, je sais quoi. Je vais vous remontrer aussi le dernier live que j'avais fait. C'était un petit live où j'ai colorié beaucoup et je l'ai repassé. Et c'était le dessin des 200, spécial 200 abonnés. Et je vous ai pas fait montrer du coup sur YouTube le résultat final. Donc je vais vous faire montrer juste après ce dessin là. Tiens, tu baisses ça un peu. Et admettons que ce top soit un plat. Je viens. Et où? Alors. Je vais t'écouter et je vais mettre ce que tu m'as dit. Alors, je sais même plus. C'était quoi le nom? Alors, attends. Zico Bermuda. Bon, bah. Ouais, on va essayer. Zico Bermuda. Zico Bermuda. Ah, c'est de la K-pop. Je vais pas mettre de la K-pop. J'aime pas trop. Pour ça, je vais pas mettre. Je suis désolé, mais j'aime pas trop la K-pop. Désolé. Si tu veux, je mets des choses, tu vois, manga, des openings de manga, des OST, mais pas de la K-pop. J'aime pas trop, je sais pas, c'est vraiment pas mon style. Genre, même le rock, un peu, c'est pas trop mon style. Donc, dites-moi ce que vous voulez que je mette. Tu sais quoi, je vais mettre OST de Death Note. Non, pas Death Note, Parasite. J'aime bien ce manga. Des fois, il y a des bons OST. Ah ouais, Chibi, tu les as achetés, ouais, là, c'est la K-pop, mais archi lourd, ouais, mais franchement, c'est pas trop mon style. Je suis désolé, poto. Mais t'habites où, en fait? À Chalon-sur-Saône, Skyper. Tu peux mettre NCS, différentes events, c'est quoi? C'est vraiment lourd. Merci. Chibi, t'habites où? Je crois que j'habite à côté de chez toi, c'est vrai? Toi, t'habites où? T'inquiète, Manga Draw, voici le nom de mon entreprise, mais je viens de la débuter il y a 2 mois. Bah j'irai voir où je pourrais voir Manga Draw. Je mets sur YouTube, Google, j'irai voir. C'est où ça, Chibi? Bah c'est en Bourgogne, en sol et noir. 74, 77, je sais pas. C'est trop cool, merci. Donc, là, on va faire ça, hop. Ok, il est fini.
Ah ouais, d'accord, ok. Donc, ce que je disais, déjà, je vais vous faire montrer ça là, du coup, voilà. Je vais faire un peu plus rapidement que tout à l'heure. Magie. Ah, il coloriait là, du coup. Vous voyez, ça tue, hein. Mais j'ai galéré à le faire, hein. Je ferai un tuto si vous voulez. Et je ferai d'autres, genre Luffy, des choses comme ça aussi. Donc, avant de continuer, je vais vous faire montrer le dessin spécial des 200 abonnés, les gens. Il est là. Alors, voici le dessin spécial des 200 abonnés. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, il est un peu grand. Là, du coup, vous voyez Natsu, Gon, Seiya et lui, je m'en rappelle plus son prénom. Et les autres. Voilà. Ouais, je l'ai fini. Donc, c'est pour ça qu'il faut me suivre sur Twitter. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe sur Twitter, sur mon Twitter. C'est art-chibi pour me suivre. N'hésitez pas. Tu connais Haute-Savoie? Ouais, mais je vois pas c'est situé où, du coup. Remarie, tu regardes Black Clover? Non, j'ai jamais regardé. Donc voilà le dessin spécial des 200 abonnés que j'avais commencé en live, le dernier live, du coup. Et puis, je vais vous faire montrer aussi un autre dessin que j'ai pas terminé encore. Je vais vous faire montrer. Voilà. Donc, Parasite, Tokyo Ghoul, l'attaque des titans, SAO, Blue Exorcist. Bon, je vais pas tout ce que vous voulez faire, mais voilà quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça tue Black Clover, regarde si t'as le time. T'inquiète, j'ai plein de choses à regarder, hein, du coup. Donc, dites-moi ce que vous en pensez là. Lourd le dessin. Merci, poteau. Voilà. Et je compte en faire encore deux autres ou trois autres comme ça. Hein. Ça prend du temps. Hein. Oh, vraiment. Voilà. Donc, je vous ai fait montrer ce que je vais faire montrer. Maintenant, on va continuer avec l'autre dessin. Espagne Madrid. C'est toi qui fais les couleurs. Or, ouais, j'ai un stylo spécial qui fait ça. Et bah, j'ai acheté ça aussi à Action. J'ai un stylo or et argent, pailleté. Et franchement, ça rend super bien. Putain, j'aimerais avoir le talent à Chibi. C'est gentil. Mais NCS. Ah ouais, je vois, c'est les musiques non copyrightées là. Tu veux que je mette quoi comme musique NCS? Bah, j'imagine que ça prend du temps. Ah ouais, ça prend vraiment beaucoup de temps. Ouh, j'ai un peu trop zoomé. Attendez, hop. On va dézoomer un peu plus. Voilà. Fais voir tes stylos argent et or. Alors, attends. Parce que c'est tout en pagaille, là. Alors, je vais sortir ça. Tiens. Tu peux dire à Benel qui cherche le stylo or et les... Attends, tiens ça. Ouais, vas-y. Attends, j'ai le stylo or là. Ah non, c'est pas ça, c'est le téléphone. Ça. Tiens, vas-y, cherche, voir. Donc, mon cousin, il va chercher. Alors, bon, je te laisse, j'essaierai de venir la prochaine fois. Ouais, la prochaine fois, ce sera dans longtemps, donc, désolé les gens. Alors, différents events. Allô. Alors, CNS, différents events. CNS, différents events. Ouais, NCS, purée, pourquoi j'ai dit NCS. Voilà. Utilisez Mix Media, Canson, c'est un très bon papier. Ouais, il faut que... Oh, j'ai plein de choses à acheter, en fait. Tiens, je sais pas, je crois que c'est celle-là.
Ah, je la connais, je la connais. Je connaissais pas le titre, mais je la connais, la chanson. Tu me conseilles quoi comme stylo marqueur et crayon de couleur? Enfin bref, tout pour dessiner, ça va plus vite. Bah si t'as beaucoup d'argent, moi je te conseille d'acheter déjà en crayon de couleur des Prismacolor. C'est super bien. Ça c'est des bons crayons de couleur. Des Prismacolor. Et en feutre, je dirais que tu devrais acheter genre des graphites, pro marqueur ou Copic. Et genre en stylo qui repasse, genre des Faber-Castell, ça fait l'affaire. Donc voilà. Comment tu fais ça pour changer en jaune et en blanc? Ah, tu veux dire le... C'est ça là? Je sais pas si tu parles de ça. Bon bah ça, si tu veux là, je ferai un tuto. Dans pas longtemps, j'essaierai d'en faire un en tout cas. Si vous êtes intéressé. Donc voilà. C'est super compliqué à le dire maintenant. Non, cette façon-là, c'est des stylos plus petits. Ah, tiens. Oh là, c'est bon, ça, tu peux ranger. Voilà. Le stylo couleur or, pailleté, il est comme ça. Et le gris, bah, c'est en gris, quoi. Fais le tuto. Ouais, je vais faire un tuto, les gens. Je vais en faire un. Je vais en faire un. Ne vous inquiétez pas. Mais je sais pas quand encore. Non, pas ça, les couleurs du fond c'est jaune et des fois c'est blanc. Ah, c'est pas de ma faute, c'est la couleur qui fait ça, c'est la lampe qui fait ça. Et comment c'est positionné et tout. Je suis vraiment désolé si ça vous gêne. Hop. Il y a Alan Walker, ah je connais ça. Je connais Alan Walker, je l'ai déjà écouté. En tout cas, merci d'être présent sur le live, les gens, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à aimer le live, les gens, pour le référencement et tout ça, pour mon avancée sur YouTube. Faites-moi percer, quoi. Tu peux pas parler, ça a bougé, regarde, j'ai mal fait là. Tiens, va la voir, va de l'autre côté. Oh non! Ça fait exprès, la feuille elle a fait comme ça, du coup là j'ai fait un point ici. Pas grave, je le rattraperai. Je mettrai du blanc, ça va pas se voir. Voilà, ça c'est une chose que je déteste. Tu mets je sais pas combien de temps sur le dessin et au final, au repassage, tu te chies dessus quoi. Hop, c'est quoi qui... Il y a un truc qui va pas là. Il y a quelque chose qui gêne. Je sais pas, ah c'est ça, c'est le reste de gomme. Donc non, au contraire, c'est bien. Comment tu fais pour décalquer sans feuille? Décalque, please. Mais je décalque pas. Mais je te promets que je décalque pas. Hein. Attends, je vais enlever ça. Quand t'as le temps, fais-nous un tuto STP. Ouais, y a pas de problème. J'essaierai quand j'ai le temps, si vous. Je peux pas autrement, quoi. Skyper, il décalque pas. Ouais, je décalque pas. Pourquoi tu dis que je décalque? Pourquoi t'as plus le temps? Parce que j'ai plein de choses sur le teco, tu vois, vu que je suis. Y a plein de choses. Franchement, là, de tête, là, y a mes cours.
Franchement, il y a beaucoup de choses. Mais je demande comment décalquer sans feuille, décalque, dé. Comment ça, j'ai pas trop compris. Bah, je sais pas, tu mets une feuille par-dessus un dessin et tu vois les traits à travers et tu dessines quoi. Tu me donnes envie de dessiner mon manga. Bah, vas-y, je t'en prie, dessine. Pareil, moi, j'y arrive pas, du coup, ça m'énerve, lol. Je sais pas si c'est possible de décalquer sans feuille, calque. Ah, si, c'est possible. Feuille, je sais pas là si vous voyez un peu de... un personnage. Vous devez voir un personnage, c'est derrière. J'avais juste dessiné comme ça. Et du coup, tu vois, tu peux décalquer sans calque. Ou tu mets au pire l'image sur ta fenêtre et tu mets une feuille par-dessus et puis voilà quoi, tu décalques. C'est meilleur ça. Tu vois mieux. Mais je vous conseille pas de décalquer, hein. Vous avez aucun mérite. Hein, ouais. Faites sans décalquer, c'est mieux. Hop, on va lire les messages. Je sais pas si, ok, pas grave, elle est cool, celle-là. Bah, je la laisse alors. Il fait bien nuit chez moi. Ouais, moi aussi, il fait nuit. Hein. Lui, il recopie à l'œil nu, il décalque pas, il recopie juste. Ouais, c'est ça. Je sais, mais c'est juste que j'arrive pas. Du coup, je veux tellement de talent, bah, je vais décalquer. Bah, c'est pas comme ça que tu vas t'améliorer, hein. Ok, après tu peux décalquer pour t'entraîner à colorier, mais c'est mieux de le faire le croquis. Ouais. Chibi, t'arrives à créer tes propres persos? Ouais, j'en ai déjà fait. Est-ce qu'elle décalquer, ok, c'est bien. Def à Kev. Ouais, c'est ça, c'est exactement c'est ça. Tiens, pose-le. Pose-le. Bon, ça c'est la petite pub. Je vais vous montrer comment faire.
Alors, oula, mais en vrai, c'est dur de suivre en même temps. Je quitte, je reviens, ok, à plus. Bon, je vais dessiner en même temps, tu m'as donné envie. Allez, je t'en prie. Tiens, un dessin facile pour moi, pour m'entraîner à dessiner. Bah, Pikachu, ouais, ouais. Écoute, Marie. Pikachu, c'est pas mal. C'est vraiment, c'est simple. Fille ou garçon, lol, je pense. Fille. Fatmondi ou Unity. Ah ouais, les deux là, je les aime bien. Ouais. Marie, toi, tu vas dessiner. Ah, ok, j'essaie de dessiner. Bon, en fait, là, ça, pour les chansons, là, en ce qui concerne les chansons, ça. Ça change tout seul. C'est aléatoire. Dis-lui, il fait quoi? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il court? Ferme la porte, s'il te plaît. Ouais, quand vous dessinez, n'hésitez pas, hein, prenez votre temps. Allez pas vite, autrement vous allez bâcler le travail et du coup, le résultat attendu bah, va pas être le même quoi. Tu vas arrêter de couvrir? Oh là, je bosse pas. Non, non, j'ai vu tout à l'heure, t'inquiète. Ferme la porte. Ferme la porte. Ferme la porte, s'il te plaît. Ok, il est fini lui. Lui, il est enfin fini. Alors, Tokyo Ghoul, ça passe encore ou pas? Waouh, ça va être super niveau difficulté du dessin. Parce que là, ça va être chaud. Niveau difficulté du dessin, là, ça va être super chaud, Tokyo Ghoul. Donc, moi, je te le conseille pas. Tu regardes ma chaîne des fois? Non. Bah, vu que y a pas de commentaires de toi, bah, je sais plus s'il y a des commentaires de toi dans ma chaîne. Franchement, bah si tu veux, là j'irai voir juste après. J'y vais maintenant, tu vois. J'y vais maintenant. Alors, ouais, non, j'irai après. Donc, celui-là, il est fait. On passe à l'avant-dernier dessin avant le live, avant que la coupure du live, quoi, du coup. Hop. Je regarderai après, t'inquiète pas. Ha ha ha.
Donc dites-moi ce que vous en pensez des dessins là. Les dessins que je repasse depuis tout à l'heure. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais lire vos commentaires. Alors Skyper, ça donne quoi? Quand vas-tu faire des tutos? Franchement, là, je sais pas. Parce que j'ai, comme je l'ai dit précédemment, j'ai beaucoup de choses à faire. Là, en ce moment, je fais beaucoup de trucs. Mais je vous promets, tout ce qui est niveau tuto et tout ça, ça, dès que j'ai le temps, je vous en fais. Je suis vraiment désolé, là, je vous en fais pas, mais dès que j'ai le temps, je vous en fais. Il y a une chaîne ton pote vu qu'il te prête du matériel. Non, il a pas de chaîne. Non. Il me prête du matériel, mais lui aussi, hein, c'est pas que du pro hein, qu'il a. Genre, il a que ça en fait en matériel quoi. Oh. Il enlève la vidéo s'il te plaît. Je la mettrai après. Non, je regarde pas. C'est quoi? C'est ça? Ah, c'est trop drôle. Ah, ça me tue. Vas-y, pourquoi vous me faites rigoler là? Je dessine là, je vais rater. Haha, ils sont beaux les dessins. Merci, photo, je t'aime, lol. T'inquiète, je suis pas gay. Moi aussi, je suis pas gay, t'inquiète. Y'a quoi de rigolo? En fait, y'a mon frère, il m'a fait montrer une vidéo de foot. Y'a des gogoles quoi. Il joue au foot, des parodies quoi. Et au bout d'un mois, il y avait un truc qui était super marrant. Non. Donc si vous voulez me suivre, hein, mon Twitter, je le mettrai en fin de live dans la description. Autrement, vous pouvez l'avoir aussi dans mes autres vidéos ou mes autres lives. En vrai, en temps réel, j'aurais déjà fini de repasser tout ça hors live, hors vidéo.
En fait, le fait de parler en même temps, ça me ralentit de ouf. Mais c'est pas grave, hein. On passe du bon moment quand même. En plus, c'est le dernier live là avant longtemps, quoi. Donc. On en profite un peu. Voilà. Attends, c'est ça. Voilà, je vais lire les commentaires vite fait là. T'as une console? Ouais, j'ai la PS3, mais je vais bientôt avoir la PS4. Bah ça va, je m'en sors pas trop mal, enfin j'espère, avec mes yeux, oui. C'est pas facile de dessiner en paix. Ah, de ouf, c'est pas facile, hein, vraiment. C'est quoi ton plus beau dessin? Tu peux nous le montrer là, maintenant, si tu veux, en fin de live. En fin de live, j'en ai... Je sais pas, j'ai des préférences, j'arrive pas à choisir un précis, mais donc je vais vous en montrer plusieurs. Avant combien de semaines tes parents savent que tu as une chaîne YouTube? J'ai pas compris avant combien de semaines, mais oui, mes parents savent que j'ai une chaîne YouTube. Mais franchement, ça va, ils m'encouragent quand même. Ils m'encouragent. Autrement, ils se demanderaient pourquoi je parle tout seul dans ma chambre. Voilà, l'avant-dernier dessin terminé. Voilà, relink. Alors,
Avant combien de semaines tu vas pas faire de live? Alors là, je peux pas te dire. Au moins, vous pouvez compter au moins un mois là, minimum. Un mois, j'arrive pas à faire un smiley, ça me saoule. C'est comme ça, hein. Faut percer, faut persévérer. Et voilà le dernier dessin. Voilà le dernier dessin. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre, hein, sur donc, mon Twitter ici, Archibi, mon Facebook, les dessins de Mugi, et mon Snap, bah, si vous voulez. C'est pas obligé, quoi. Yo, Omar, comment tu vas, poto? Oh, shit. Re, Boober. Donc, voilà. Juste avant, là, on l'a fait, tu vois. On l'a fait. On l'a terminé, quoi. Donc là, c'est le dernier dessin avant de terminer le live. Donc voilà, n'hésitez pas à me soutenir en me suivant sur Twitter, les gens. Je laisse ça ici. Mettez le pouce bleu pour le référencement. Abonnez-vous. Vous connaissez la musique. Alors, t'es algérien, moi oui. Bah ouais, moi aussi, hein, je suis algérien, poteau. Juste une question, tu continues à être un youtubeur de Cannes dessin ou que de dessin? Bah là, je pense que je vais bien continuer que le dessin. Mais s'il y a des. Si je sais pas, s'il y a un truc qui se passe, tu vois, là, mes invocations, je les ferai en vidéo. Voilà, on commence l'ancrage. Ok. Alors, moi je n'ai plus, je n'ai pas dit à mes parents que j'ai une chaîne. Ah ouais, le cachotier. MDR, achète-t-il les feuilles à l'école? Non, pas du tout. J'ai pas de feuilles à l'école, c'est des feuilles d'imprimante, c'est des feuilles simples. Donc, quand je vais colorier et quand je vais mettre. Quand je vais colorier au feutre, quoi. Quand je vais feutrer tout ça avec des feutres à l'alcool, ça va s'éparpiller et c'est chaud ça par contre. Thank you.
Marie, tu dessines quoi, lol? Mais Jason de Tokyo Ghoul. Je te conseille mon ami Chibi Art, les Micron Pigma ou les Faber-Castell ou les Copic pour l'ancrage. C'est des Faber-Castell, tu vois là. Mais je pense que je vais prendre des Micron Pigma. Je vais en prendre, je pense. Donc tu vois la Faber-Castell, ça coûte cher un peu quand même. Ce sont les meilleurs, ouais, ça coûte cher quand même. Genre 3 euros, entre ouais, 2 euros ou 1,50€ l'unité. Que tu parles pour en créer le pack Copic 27 euros. Ouais, mais je pense pas qu'il y en a beaucoup de feu dedans. Fugatai Jamasu, le super végéto que t'as eu dans ta vidéo de Can Battle. J'ai jamais eu Gata Isamasu et ni Végéto. Blue. Végéto. J'ai eu Végéto. Mais Gata Isamasu, je l'ai jamais eu. Hein. Salut. Bravo, merci. Salut Dragon. Comment tu vas? Ouais, ça va moi aussi. Oui, prends micro. Ouais, je comptais en prendre un. Tiens, tu peux baisser le son. Oh, t'as entendu ce que j'ai dit ou quoi là? On va bientôt terminer le dessin. Alors, je sais, mais fais-le, ouais, trop beau. Merci poto, ticker, merci poto. Sinon, le sel est magnifique. Ah, merci, c'est gentil. Tu les as tous fait aujourd'hui, les croquis. J'ai tout fait, les feutres et tout. J'ai tout fait au stylo, quoi, j'ai tout repassé, quoi. C'est mon anniversaire dans 2 jours, le 6. Ah, bah, moi, je te dis bon anniversaire maintenant, parce qu'on va pas se voir. Je ferai pas de live avant au moins un mois. Écoutez bien, avant un mois je ferai pas de live. Donc si vous voulez me suivre sur Twitter, je suis beaucoup actif ici. Donc allez-y hein. Archibi, je laisse ça ici. Je suis actif beaucoup sur Twitter. GG, merci. Que sont les crayons couleurs que tu utilises? Pour ma part, ce sont les prismes à couleurs 157. Et ben dis-toi, moi aussi je voudrais en acheter des prismes à couleurs, mais là c'est des crayons couleurs basiques. Mais dis-moi, ça coûte combien des Prismacolor? Ah, ma pote aussi. Joyeux anniversaire en avance. Ouais, joyeux anniversaire. Ah oui, les gens. Vu que l'année, elle est passée. Bonne année, en fait, du coup. Bonne année à tous. Meilleurs vœux et bonne santé. Le meilleur pour vous, les gens. Merci à ceux qui sont restés sur le live et qui ont mis les pouces bleus. Et qui ont partagé, c'est super sympa. Putain, on est déjà à 270 abonnés, franchement,
Je m'y attendais pas dès que j'avais lancé dès que j'avais lancé les chaînes. Je me disais ouais je ferais genre maximum 100 abonnés ou un truc comme ça et c'est bon. Et là ça a augmenté tout petit à petit, franchement c'est super. C'est sympa, c'est ouf. J'y crois même pas. C'est magique. Donc je vais lire un peu vite fait. Wesh Abdallah, poto, Sub Club. Bien ou quoi, poto? Bien ou quoi là? Eh, hey, je suis choqué. La vie, je suis choqué. Voilà, oh. T'es le sang, Abda. T'es le sang. Je vais refaire hein. Le set de 72 vaut 40 euros. Ah ouais, quand même, 40 balles. Ah ouais, chaud. Ah ouais, comment va Abda? Bonne année à tous, ouais, bonne année. Abda, si tu veux voir ce que j'ai fait juste auparavant, j'ai fait lui. Ouais, ça va frérot, gros soutien, Sub Club. Bon, je te laisse, bisous, bibiche. Ah, merci poteau d'être passé, voilà, tu gères. J'ai fait lui, et j'ai fait lui. Pouah, ça pète. Et attends deux secondes. Où il est là. Et le petit Goku Ultra Instinct avant de partir, tiens, je l'ai pas terminé encore, mais t'inquiète, ça va arriver. Je mettrai tout ça sur Twitter, photo. Voilà. Merci d'être passé, Abdallah. Voilà, tu gères. Je te kiffe, Abdallah. Reste concentré, je te soutiendrai. Merci, poto, merci. Magnifique, bibiche. Tu gères, poto, toi aussi, hein. Bien les vidéos, bien les lives et tout. On est là, t'inquiète. Sub Club. Allez, ciao. Tu pourras mettre un commentaire STP sur une de mes vidéos. Ouais, y a pas de problème pour toi, t'inquiète. Tout ce que tu veux. Et la vie, je suis choqué. Abdallah, elle est venue, quoi. Bien. Relink, t'as vu, il y a eu Abda qui est venu, photo. Il y avait Abda qui est venu. As-tu le budget d'acheter les copiques? Non, j'ai pas le. Frère, c'est trop cher. Je pense que je vais prendre les feutres à l'unité. Les feutres que j'ai besoin à chaque fois, tu vois, je vais en acheter un à l'unité à chaque fois. Et du coup, petit à petit, tu vois, je vais avoir une petite collection, tu vois. Mais franchement, là, j'ai pas le budget de ouf. C'est trop cher. Donc voilà les gens, comme vous avez pu le voir, j'ai terminé le petit sel. Vous en pensez quoi là? Abda, c'est un boss. Les copiques, c'est trop cher. Ouais, copiques, promarqueurs, graphite, tout ça là, c'est super cher hein. C'est pas donné hein. Donc voilà. Alors je vais dézoomer. Je te suis depuis le Canada. Mais non, c'est vrai. Ah ouais, quand même. Ah bah c'est super sympa ça. Ça fait plaisir à entendre. Coucou Gratelou, Solène, comment tu vas? Tu viens un peu en retard parce que je viens de terminer tous mes dessins. Et dans pas longtemps, je vais couper le live. Désolé. Donc, la prochaine fois, pense à mettre un système de donation. Courage et bisous tout le monde. Ah d'accord, t'inquiète, je vais essayer. Merci Abdallah. Et suivez-le hein, Abdallah aussi sur sa chaîne. Il fait du dokkan, il fait du bon boulot. Voilà, il fait du lourd. Suivez-le. A plus Abdallah. À la prochaine. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je vais dézoomer un peu tout ça. Voilà, le petit sel, tu dessines trop bien. Merci poto, ton live est dans mes recommandations. Ah ouais, carrément. Ah c'est, ça fait plaisir d'entendre ça.
Donc, les petits sels là. Voilà. Voilà, voilà, je vais vous laisser ça vite fait là. Un peu que vous regardez. Enfin, plutôt, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Hop. Trop fort. Ah ouais, merci poteau. Donc voilà. La forme quand il est dans le concon. L'autre forme, bah la première du coup. La seconde forme. Et la dernière forme, celle parfaite du coup. Voilà. Perfecto. Ah ouais, c'est lui mec, t'es le meilleur. Merci poteau. Du coup, au tout début, on avait fait le Goku Ultra Instinct qui est ici. Focus. Attends, ici. Voilà. Goku Ultra Instinct. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et aussi celle de Abdallah, les gens. N'hésitez pas à scale d'art aussi. Poto. Je mettrai un petit commentaire. Tu veux mettre la rediff? Ouais, je laisse la rediff pour celle-là. Tu t'es entraîné pour arriver à ça? Ah bah depuis que je suis petit, poto. Faut persévérer. Persévérer. GG mec, merci. Donc voilà. Voilà les dessins. Hop, on laisse ça là. On va faire ça comme ça. Je vous refais montrer vite fait une dernière fois. Attendez, je vais vous faire montrer mes autres dessins. Alors, moi aussi, quand j'avais ton âge, j'avais juste un crayon et une feuille imprimante. Et maintenant, j'ai des copies qui Prisma et du bon matériel. Tu vois, rien n'est loin. Je vais essayer de les refaire. Ok, bah, je t'en prie, poteau. Hein. De toute façon, je les mettrai sur Twitter si tu veux. Comme ça, tu pourras télécharger l'image. Puis tu pourras le refaire. Et tu pourras m'envoyer un petit tweet. Je sais même pas si ça te dit. Donc, je vais montrer vite fait. Mes dessins, comme on me l'a dit au tout début, je ferai une vidéo globale de tous mes dessins prochainement. Donc voilà. Tout ça, je vous répète, hein, c'est pas décalqué, je vous promets, je ferai jamais du décalque. C'est pas mon truc, c'est pas mon genre. Il y a aucun mérite à faire ça. Après, pour les débutants, si vous voulez, vous pouvez le faire. Mais voilà quoi. Ah ouais. Donc voilà. Et tous mes dessins là, ça date depuis la 5e, depuis que je suis en 5e. Et là, je suis en première. Donc, ça fait beaucoup d'années. Donc, ça, c'est de cette année à l'année de 5e, quoi. Ça envoie du lourd. Ah ouais, Abda, t'es encore là, t'inquiète. Merci, poteau. Je vais montrer vite fait mes petits dessins, on m'a demandé tout à l'heure. Donc, voilà. Abda, je sais même pas si t'as vu ça. Regarde vite fait. Le petit Kamehameha, il est là. C'est du sroll, c'est de la magie, poteau. De la magie noire. C'est de la magie noire. Magnifique, ah. T'inquiète, on gère. Alors, du coup, le petit Vegeta là avec ses transfos. Alors, juste ici, Vegeta. Bon, vous verrez pas toute la feuille. Mais voilà quoi, comment t'as fait? Ah, ça c'est de la magie ça. Ça c'est Abdallah, il m'a aidé. Non, je rigole, je mettrai un tuto si vous voulez. Je ferai un tuto, il n'y a pas de problème. Donc voilà, le petit Vegeta, le petit Goku. Ah, celui-là, on l'avait fait en live, celui-là. Je l'avais fait en live. Ok, merci. Là, il n'y a pas de problème. Donc le petit bout. Au pire, je sais ce que je vais faire. Je vais faire comme ça. Voilà, je vais faire comme ça. Donc vous devrez un peu tourner le téléphone, donc voilà. Ensuite, le freezer. Vous savez quoi, je vais passer un peu plus vite, plus rapidement.
parce qu'après on va pas en finir. Faire comme ça, je suis désolé. Donc celui-là, attendez, je vais le déballer quand même. Le petit Goku Ultra Instinct, c'est le premier Goku Ultra Instinct que j'avais fait. Hop. Sur feuille A3. Je répète tous mes dessins, tout ce qui est là que je vous fais montrer, tout est sur ma page, sur mon Twitter plutôt. Trop beau, merci Poto. C'est sympa. On a 10 visionnages, franchement c'est super. Donc voilà, le Goku Ultra Instinct. Hop. Un petit Goku Ultra Instinct ici là. Franchement j'ai géré je trouve. Hein. C'est l'un de mes meilleurs dessins celui-là je pense. Quel crayon de couleur utilises-tu? Je suis sérieux et ton niveau est remarquable. Merci Poto. Eh ben dis-toi, mes crayons de couleur, tu les achètes à Carrefour. Hein. Je te promets, je te mens pas. C'est des crayons de couleur simples. Et les feutres aussi, c'est des crayons de couleur simples. Hein. Ce que tu peux trouver à Carrefour, Leclerc, à bas prix, quoi. Tu vois? C'est... Mes crayons de couleur, c'est genre du style Bic, tu vois? Voilà. Un petit Gogeta ici, vite fait. Un autre Goku Ultra Instinct. Hop. Oh, celui-là, il date, celui-là. Il date. Regardez, la tête, elle est un peu petite. C'est un peu disproportionné, ici, là. Wesh, Gogeta Blue, comment tu vas? Le beau gosse, ah ouais, merci. Ouais, par contre, là, je suis un peu moins fier. Même si, je me rappelle, j'avais galéré à le faire. Et je trouvais qu'avant, il était bien. Maintenant, je vois la différence entre maintenant et après, tu vois. Maintenant et avant. Qu'est-ce que je dis, moi? Ouais, la tête, elle est un peu petite par rapport à son corps. Bravo, bravo, je le redis, ton niveau est remarquable, merci poto. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les gens. C'est ça ma récompense. Je veux pas de dons, pas encore du moins. Mais c'est ça ma récompense. Le petit pouce bleu, le petit RT, quand on commente. Quand il y a une vidéo, on commente vite fait, tu vois. Le petit Zamas. Très beau dessin mec, gros GG. Merci poto, tu gères toi aussi. C'est vous les gens, vous gérez, voilà. Autrement je ferai jamais de live et tout. Vous êtes là et tout, c'est franchement c'est ça qui me motive. Alors, un petit Gogeta ici. Voilà. Gogeta. Je vais un peu passer vite, hein. Je suis vraiment désolé si vous voyez mal. Vous pouvez regarder aussi mes anciennes vidéos, hein, je les fais montrer un peu. Bah pas les nouveaux, mais en tout cas les anciens, je les fais montrer. Du coup... Tu les fais trop bien, merci Poto. Hop, Dubaï. Ah celui-là, je suis content franchement, je suis content de celui-là. Wesh, on commence tous par le commencement, exactement. Tout a un début. C'est le début. Voilà, Archibi, voilà, c'est ça. Link, mon modérateur, merci à toi. Regardez, il a mis mon Twitter, c'est ça, Archibi. Donc, vous mettez ça sur Twitter et vous m'avez, quoi. Un petit Goku Blue. Je passe un peu rapidement. Le Goku God. Le petit Hit. N'hésitez pas à liker le flow, ouais, merci Link. Écoutez-le, c'est un bon conseil, si vous voulez suivre mon actualité, quoi. Le petit Black Goku, et à vous abonner, exactement. Voilà, ça, quand je vous disais, il y a des dessins de 5e, ça, c'est un dessin de 5e. Et vous voyez vraiment la différence entre maintenant et après. Et maintenant, et avant, quoi. Il y a une grosse différence, hein, vous voyez. Là, c'est avec les contours sont faits avec au feutre et pas avec un stylo qui est repassable, quoi. Je colorie à la va-vite et tout. Ah, on voit la diff, hein. Regardez, vous voyez la diff ici, là, aussi. Vous voyez là aussi. Bon, il a pris l'eau un peu, lui. Vous voyez la diff, c'est chaud, hein.
C'est en persévérant qu'on atteint un autre niveau. Ça, c'est un petit dessin là. Si vous voulez, je le ferai gagner celui-là. Je le colorierai et tout. En plus, Noël il est passé donc voilà. Celui-là, pour les vrais, ils vont reconnaître. Vous reconnaissez là, ce dessin ou pas? Les vrais, ils connaissent ou pas? Dites-moi si vous le reconnaissez. Ah ouais, on est déjà à 20, 20 gemmes quoi. Merci, c'est sympa. Il a le il a Naruto. Ouais, c'est du chibi. Ouais, c'est du chibi. Et je l'avais fait en speedrawing. Si vous voulez le voir quand je l'ai dessiné. J'avais speedé par contre, hein, je me suis pas trop appliqué. Mais si vous voulez voir la vidéo, vous descendez un peu sur ma chaîne et vous l'avez quoi. Là, on va passer un peu du Naruto. Je vais pas sortir les feuilles parce qu'ils sont en A3. Du coup, ça va être un peu long. Mais c'est Chibi Goku Blue, exactement, c'est ça, bien sûr. Donc voilà, regardez là, ça c'est du lourd ça. Ça c'est du lourd. Vous savez quoi? Hop. Je vais enlever ça. Ça va être mieux là, comme ça. Voilà, ça c'est du lourd ça. La vidéo Chibi Goku, exactement, c'est ça. TMTC. Quel âge as-tu? J'ai 16 ans. Magnifique, le Goku de DBS, exact. Merci poto. On va faire comme ça, ça va être mieux. Est-ce que on pourra faire un Mario mélangé avec du Naruto? Si tu veux, c'est on fera ça si tu veux avec les dessins interactifs avec les abonnés. Y a pas de problème si tu veux. Hop. Attendez. Ah, c'est compliqué. Voilà. Désolé si ça bouge trop, parce que là c'est avec ma main. Le petit Kakashi. Elle existe, celle à gauche, l'image Naruto. Ouais, toutes les images là que je vous ai montrées là, elles existent tous. Hein. Ah ouais, cool, merci. T'inquiète, y'a pas de problème. Ouais, je mettrai ça après. Hop. Le petit Minato. Tu pourras dessiner Madara Uchiwa. Ah ouais, il faudrait que je le dessine, ouais, y'a pas de problème, poto. Par contre là pas maintenant parce que j'ai beaucoup de choses à faire là en ce moment, tu vois, comme j'ai dit comme je le dis depuis tout à l'heure. Tu vois, lui je l'avais fait en live. Waouh, 16 ans et tu arrives à faire ça, intéressant. Et encore hein, t'as rien vu, c'est pas pour me vanter mais je sais faire des portraits aussi un peu. Ça c'est un dessin de 5ème. Ah non, de 4ème ça. Celui-là c'est un dessin de 4ème, j'étais en 4ème. Je regrette un peu d'avoir repassé là. J'aurais dû colorier directement. Hop, le petit Obito. Le Minato du live avec la lumière jaune, exactement. Voilà le petit Naruto là. 1, 2, 3, 4, 5, à 6 queues. Lui, il faut que je dois le sortir lui par contre. Je vais le sortir lui. Allez. Oups. Alors, voilà. Portrait, tu es même très 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 intéressant. Ah ouais. Donc si vous voulez voir ma tête, les gens qui sont sur le live, si vous voulez voir ma tête, je mets pas ma vraie tête, mais je mets parce que je me suis dessiné. Ouais, c'est un peu narcissique. Mais voilà, je me suis dessiné. Si vous voulez voir après, ce sera le dernier dessin. Donc, vous voyez. Hop. On va enlever ça. Radia, va voir son Twitter. Il a fait un portrait de Lilian, alias Yonko. Ouais, après, je sais pas si tu connais Lilian. Fait des jeux vidéo et tout, fait des vidéos de jeux vidéo quoi. Et je l'ai dessiné. Si tu veux voir sur mon Twitter, il y a tout sur mon Twitter. Donc le petit Luffy ici aussi. Monkey D. Luffy, exactement. J'en ai fait plein de Luffy par contre. Ici, là. Ah ouais, j'en ai fait vraiment. J'en ai vraiment fait beaucoup. Ici,
un petit usop vraiment détaillé celui-là par contre. Non. Un petit Luffy là. Vraiment mignon celui-là par contre. Sentomaru. Luffy du tuto de Massis. Celui-là. J'ai fait aucun tuto hein, comme je t'ai dit. Après, celui-là, je l'ai fait. J'étais en quatrième celui-là. Donc ça fait. Ça date. Là je suis en première. Tu comptes, hein, ça fait 4 ans. 4 ans que je l'ai celui-là. 4 ans, 3 ans. Donc Massis, je pense qu'il l'a fait il y a pas longtemps son tuto. Donc tu vends des choses dans ton entreprise, on peut trouver sur Google. Qui fait le gum gum belette? Ah ouais, je vois. Ah bah lui aussi il date de... Presque tous les One Piece datent de la même période, donc tu vois. Non, du coup j'ai pas fait son tuto. Si je dessine une image, tu vois, je vais la faire directement, pas besoin de tuto, tu vois. Petit chopper. Tu mérites... Alors attends, 100 000 abos et tout ce qu'ils font... De leur mieux pour faire le meilleur dessin, bravo, et ça, la beauté du dessin. C'est ça la beauté du dessin, merci poteau. Franchement, c'est super sympa ce que tu dis. Vraiment. Ça me touche, hein, ce que vous dites. Voilà, petit défi là. Zephyr. Z, dans le film Z, du coup. Et puis Z. Le petit défi Gear Second. Ah ok, c'est vrai que c'est trop rapide les tutos. Ouais, bah je sais pas, après je regarde pas les tutos moi, tu vois. Voilà. Donc Ming, je sais pas si t'es encore là, mais voilà le Death Note, le dessin des Death Note que j'avais fait. Bon, avec la lumière ça fait un petit reflet dégueulasse, mais normalement c'est noir hein. Donc voilà, Light et L. Voilà. Et c'est pas fini. Pour ceux qui me disaient, ouais, est-ce que t'as fait du Tokyo Ghoul? Ouais, j'en ai fait. Voici. Kaneki. Et un autre Kaneki. Juste ici. Alors, attendez. Voilà, je vais faire comme ça. Voilà. Roro Noazoro avec une prime de 320 millions de berries. Exactement. Là c'est Parasite pour ceux qui l'ont vu ou pas, pour ceux les personnes qui ont vu. C'est un peu comme Tokyo Ghoul hein. Je vous conseille de le regarder, il est super bien cet animé. Lourd. Ah tu l'as vu Link du coup le Death Note. Voilà, Parasite, là aussi Parasite. Avis de recherche, tu vas tous les montrer? Ouais, je vais tous les montrer, mais je les montrerai aussi en vidéo, donc si tu veux partir, c'est pas grave. Mais si tu veux voir ma tête, je la montrerai pas en vidéo et là je la montrerai. Donc c'est en fin de live. Donc là, Asuna. Asuna aussi, j'en avais fait beaucoup d'Asuna. Asuna ici. Asuna là. Une grosse Asuna ici. Il a Asuna et normalement il devrait avoir Kirito ici, mais je l'ai pas encore terminé. Parasite, c'est fini. Ou pas la série? Ouais, c'est fini. C'est fini. Il doit avoir 22 épisodes ou un truc du genre. Et c'est rapide, hein. Franchement, c'est super bien. C'est comme Tokyo Ghoul. Voilà. On fait mon varine. Alors, le petit. Ça, c'est mon seul dessin de Fairy Tail. C'est Happy. Là, c'est de l'invention. Invention. Hop, là, un petit Olaf, c'est pour ma soeur, et je lui ai fait aussi la Reine des Neiges. Voilà, la Reine des Neiges qui est ici. Attendez, je vous fais montrer ça tout de suite. Au Canada, il est 14h11. Ah ouais, carrément. Bah dis-toi, nous, chez nous, il est 20h13. Il faut que je fasse vite parce que j'ai 4%. Donc voilà, la Reine des Neiges. Hop, le petit Spider-Man que j'ai pas terminé encore. Bon, ça c'est Fafa, c'est quelqu'un qui m'a, un youtubeur qui m'a demandé de dessiner vite fait. C'est du papier normal, hein, papier d'imprimante. Tout ça c'est que du papier d'imprimante. Par hasard, Asuna serait pas ton fantasme. Non, je m'en doutais, je l'attendais cette question là. Tu pourras faire aussi Lucie et Natsu dans Fairy Tail, ouais, y'a pas de problème. Wesh, yes. Moi j'ai 10%, Asuna.
Alors, il est là, il est juste derrière le dessin. Ça c'est de, ça c'est pas dessiné ça. Ça c'est une photo, c'est une ça c'est imprimé ça. Tout ça. Je vous le dis hein, quand c'est dessiné ou pas. Alors, là, je vais faire vite. Hop. Ça c'est inventé par contre. Et vous pouvez vous amuser sur mon Twitter. Je l'ai mis, j'ai mis la photo. À trouver tous les mangas qu'il y a. Ça c'est totalement inventé. Il y a 27 mangas si vous voulez. C'est un petit indice, 27 mangas. Donc voilà. 27. Ok. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Qui veut voir ma tête? Qui veut voir ma tête? Moi je veux voir des oui ou non là. Comme ça je la montre ou pas. Qui veut voir ma tête? 27? Comment ça? Alors, qui veut voir ma tête? Moi, je veux savoir. Moi, oui. Ah ouais, vous êtes chaud, hein? Vive Chibi en 2018. Merci. Donc, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Vous allez être déçus, hein? Vous allez être déçus. Je pense pas que vous m'imaginez comme ça, en vrai. Hein. Vous êtes prêts? 3. Elle te ressemble? Ouais, par contre, ça me ressemble de ouf. J'ai demandé aux autres, à mes potes et tout, ils m'ont dit ouais, ça te ressemble de ouf, on voit bien que c'est toi. Pourquoi écrit tout, moi j'ai raté un truc? Pourquoi j'ai dit qui veut voir ma tête? Qui veut voir ma tête? Du coup là, voilà, un petit décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un, je pète modo. Attends, après, juste après. Hop, les. Voilà ma tête. Je ressemble à ça. Hein. Je ressemble à ça. Je pète modo. Désolé, Walid, ça se demande pas. Et bonjour et bonsoir. Mais désolé. Modo, ça se demande pas. Ça se mérite. Et au fil du temps, si tu veux, tu pourrais être modo en étant là souvent sur les lives. Waouh. C'est vrai, tu te dames. Ouais, c'était. Vraiment, c'est toi. Ouais, c'est vraiment moi. C'est vraiment moi ça. Je vous ai dit, hein, vous êtes déçus. Hein. Je ressemble à ça, hein, et vraiment. Ça se demande pas, ouais, ça se demande pas, Walid. Désolé. Donc voilà, voilà. Avant de terminer le live, je vais le couper là vite fait là. Donc, normalement, j'ai posé quelque chose ici. Ouais, voilà, ça. C'est ça. Que veut dire modo? C'est modérateur, c'est comme Link, tu vois, il a une clé bleue. Et il peut supprimer vos messages ou vous ban 30 secondes, ça veut, 300 secondes, ça veut dire. Ou vous ban définitivement, ça veut dire que vous pourrez pas marquer de messages, mais vous pourrez voir quand même mes lives. Modérateur, ouais, modérateur, c'est ça. Et du coup, voilà. C'est ça que je voulais vous faire montrer avant de partir. Tiens. Tu peux tenir, s'il te plaît? Oui. Mais pas ta main, là. Non, non, comme ça. Attends. Alors, voilà. Beaucoup SSJ1. Voilà. Beaucoup SSJ2. Et beaucoup SSJ3. J'avais fait un tuto pour faire ça. Donc, si vous voulez voir, allez-y. Je l'ai fait en vidéo. Alors, le Goku Super Saiyan God. Goku SSJ Blue et le Goku Ultra Instinct. Ouais, je vais manger, attends. Si, si. Et voilà. Alors, tu peux l'enlever, s'il te plaît. Tiens, bleu, viens voir. Tiens ça. Non. Attends. Laisse. Je vais vous faire montrer aussi un petit flipbook que j'ai pas terminé. Hop, le carnet des BZ était bien aussi. Le petit flipbook, donc je pense que pas que vous allez bien voir, mais hop, on va essayer. Voilà. Tu l'avais fait montrer en vidéo. Je l'avais fait montrer en vidéo, et je l'avais pas terminé, et je l'ai toujours pas terminé en fait. Hop, là je le fais tout doucement. Voilà. Donc là, si je le fais vite. Donc désolé pour la qualité pour ceux qui ne voient pas. Désolé pour vous. Hop. Voilà.
Goku qui fait le Kamehameha. Et le dernier. Et le dernier. Bah, je vous l'ai déjà fait montrer, mais c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Et j'en ferai d'autres. Hein. Ne vous inquiétez pas, j'en ferai d'autres. Et le tuto, il arrive prochainement. Voilà. Hop. Par contre, ça bug un peu. Voilà, c'est bon. Donc, voilà, merci les gens. Je vais lire un peu les commentaires vite fait avant de partir. Tout ce que j'ai raté. Je fais ça, mais avec des dessins. Ok, les carnets de Z étaient bien aussi. Si ça te fait en live, je fais ça quand je vais. J'avais 17 ans. Ah ouais! Là, ça date quand même. Le Goku et Super Saiyan 3, c'est celui dans les invocations de Dokkan Battle. Ouais, exactement, c'est celui-là. T'as pas ancré. Non, j'ai pas tout ancré pour le flipbook, je vous ai fait montrer. Le tuto arrive avant le prochain live. Ouais, sûrement, ouais. Ok, car tu as. Tu as dû utiliser du papier spécial. Le carton ici, c'est du carton canson. C'est du papier couleur, c'est tout. Mais autrement, les dessins, je les ai fait sur feuille imprimante et je les ai découpés et je les ai collés pour ça. Autrement, pour l'autre truc là qui se glisse, ça là, je vous ferai montrer ça en tuto. Ce que tu m'avais. Attends, je viens de comprendre comment ça marche, ce que tu m'avais expliqué, Chibi. Ah, ok, d'accord, je vois. Donc, voilà. Merci à toutes les personnes qui sont venues durant le live. Franchement, vous gérez les gens. Pourquoi tu ne feutres pas tes dessins à fond, enfin, la plupart. Je sais pas. Franchement, je sais pas, j'ai peut-être la flemme. Yo, Red, comment tu vas? Bonsoir, Chibi, bonsoir à tous. Abonnez-vous aussi à la chaîne YouTube des. Elle s'appelle comme ça, les Enculés. N'hésitez pas à vous abonner, ils font souvent des lives, des vidéos, des choses comme ça. Abonnez-vous. Donc, Red, ce que t'as loupé, c'est. On a fait des selles. On a fait ce sel-là. On a fait celui-là aussi. Si tu veux voir après, je mets la rediffusion. On a fait celui-là. On a fait le cocon. On avait fait aussi le Goku Ultra Instinct. Voilà, et j'ai fait montrer mes dessins juste avant et le petit carnet ici. Tout ça là, je mets sur Twitter, donc voilà. Voilà, les gens, hop, je dispose bien pour finir. Ça dépoite. Désolé, hein, par contre, tu viens en retard parce que je vais couper le live juste maintenant. Ok, j'ai hâte de voir ta magie. Bah, il est trop bien, très bien. Salut tout le monde. Salut à tous, merci, je recommence du coup. Merci à tous ceux qui sont venus, qui ont mis le pouce bleu, qui ont partagé, qui sont restés sur le live et qui se sont abonnés surtout. Merci à tous. Pas de live durant au moins un mois, je suis vraiment désolé. Mais le tuto aussi du carnet de ça là arrive prochainement. Donc soyez à l'écoute et à la prochaine. Ciao ciao. Mettez pouce bleu. Pouce bleu s'il vous plaît et abonnez-vous à sa chaîne, ça serait très gentil. Allez, ciao.